Je m'appelle Yannis Sassia, j'ai 19 ans. Je suis en terminale bac pro commerce. L'année prochaine, je vais m'orienter vers un BTS communication. Après, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? C'est plutôt un domaine du sport. Je suis junior 2. Je suis au club de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis maintenant 3 ans. Je pratique de l'athlétisme depuis 5 ans. Mes disciplines sont 100-200 mètres. Mes qualités propres sont le départ et la fréquence. En fait, au début, j'avais commencé par le foot. On m'avait détecté par ma vitesse. On m'avait dit que c'était bien d'essayer 2-3 entraînements pour voir ce que ça donne. Et après, vu que c'était plutôt positif, je suis resté dans l'athlétisme. Mes principaux résultats, en toute compétition confondue, c'était sur 100 mètres, 3e régional, champion départemental sur 100 et 200 mètres. Après, en 2019, j'ai fait 3e au championnat de France cadet junior. J'ai fait champion de France au relais au 4x 200 mètres. Et j'ai fait 3e au 4x 200 mètres mixte en 2020. Mes objectifs à court terme en junior, c'est de battre mon record personnel déjà sur 100 et 200 mètres et après pour viser plus loin une sélection en équipe de France 2024, si c'est possible, représenter la France aux Jeux Olympiques. Je voulais un suivi plus spécifique. J'ai choisi le club de Saint-Quentin-en-Yvelines par rapport à la réputation du club et en mes entraîneurs. Ma fréquence d'entraînement, ça varie. Quand j'ai cours, c'est 4 jours sur 7. Du coup, le mardi, j'ai tout ce qui est chariot puissance. Le jeudi, j'ai ce qui est plus spécifique, qui s'appelle le lactique. Le samedi, j'ai technique et le dimanche, j'ai côte.